Bonjour, c'est Daniel. Ouh, de la neige! Alors, je me trouve actuellement à Abondance au-dessus de Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. L'idée est de monter sur un petit sommet qui est, allez, moi je le vois à l'œil nu, quoi, il doit être derrière. Alors il a neigé, et faut pas aller trop haut, hein. Pas aller trop haut, ça caille un peu, 4 degrés, hein. Mais, ouh, le Stratus, il est en train de partir, bien fait de venir. Allez, on va, faut que chauffe les muscles un petit peu là, on va monter. Ouh, c'est beau. Alors, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais l'espèce de digue droit devant, ben, c'est avec des vieux pneus. Recyclage. Ah, c'est la première fois que je vois autant de pneus comme ça. Ouh. Alors j'arrive à un petit hameau qui s'appelle Les Contamines, c'est d'Abondance, hein. Et puis là la vue s'ouvre. Bon, pas pour longtemps, parce que je retourne en forêt. Ouh, mon de grange. Là, voilà, bah, il est un peu caché. Voilà, mon de grange, magnifique, hein. Alors, j'arrive au col, comment il s'appelle? Col de la Plagne? Ouais, c'est ça, je crois. Si je fais pas d'erreur. Et puis, ouh, petit peu de soleil. Ah, je suis monté d'un bon pas, parce que 4 degrés, faut pas s'attarder, hein. Là, maintenant, je suis bien chaud. Ouh, ça s'ouvre. Allez, on regarde ça. Ouh, magnifique. Alors le col, il y a un poil plus haut, je crois. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. La Plagne du Mont, altitude 1370. 70 pour faire local. Oh, c'est beau. Oh, il y a de la neige, neige poudreuse. Oh, ouais, bon là un petit peu moins. Et là j'avais de la neige poudreuse et j'ai de la glace dessous. Attention Daniel. Bon, joli ici, hein. Bonjour. Bonjour. Ouais, faut faire attention. En tout cas pour moi. Ouais, c'est une belle journée là. Ah bah ouais, hein. Faut en profiter là parce qu'ils annoncent. Ah, c'est, vous êtes monté, c'est vous qui êtes monté en raquette? Non. Non. Parce que j'ai vu des traces et je me dis. Non, c'est trois filles qui sont montées. Ah, trois filles. Oh, je viens d'arriver. Col de la Plagne. Col de la Plagne. La Croix. Sa belle vue. Ouh, par contre, fait froid. Mont de Grange. Et mon objectif d'aujourd'hui, qui est certes modeste vu la neige, est en face, droit devant. Bon, petite traversée là dans le frigo, puis on va aller chercher le soleil. Ouh, des traces de lièvre. Il y a quoi? Du lièvre. Ouh, beaucoup de lièvre, peut-être le renard. Et là, il y a du cerf, il y a du chamois, mais c'est bien occupé ici. Ouh. Oh, retour au soleil. Soleil. Ouh. Il y a une petite ambiance frigo là. Et c'est beau. Le mont chauffé.
à droite, droit devant. Et les cornettes, cornettes de bise. Ouais, commence à disparaître. Ah, c'est beau, c'est beau. Allez, le sommet se précise. Droit devant. Ouh, soleil. Ah ouais, c'est beau. Ha. Ah ouais, puis le stratus, là, la puff. Toujours beau quand on est au-dessus. Oh yo 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 yo. Magnifique. Bonjour. Personne à la cloche quand vous arrivez là. Ah, d'accord. Alors, mais bonjour. En t-shirt en, en novembre, c'est bien ça? Ah, il va y avoir un petit peu d'aventure. Allez. Ah, c'est pas de faire là. Ah ouais. Ah. Allez, Laetitia, pousse-toi. Ouais, cool. Bonjour. Ah, c'est exceptionnel. Ah ouais. Ah, superbe. Ouais. Dans Doche, droit devant, château Doche, on a les cornettes de bise, le mont chauffé, secteur des Diablerets, Grand Muvran, Dent de Morcle, Mont de Grange, tout petit bout des Dents du Midi. Droit devant, tout au fond, le Mont Blanc. Pointe percée qui se distingue. Roc d'Enfer. Roc d'Enfer. Et là, tout noir droit devant, c'est le Temp. Voilà, j'ai oublié. Et le Jura tout au fond. Ouh, c'est beau. Hop, hop, hop. Ouh, ça est plein les chaussures. Ouh, ouais, allez, hop, hop. Alors ici, il n'y a aucune trace humaine, mais énormément de traces de lièvres, sûrement, et le renard, j'ai pas identifié, mais ça ressemble au renard. Voilà quoi, c'est sympa. Ouais, c'est le renard. Ah, je me demande s'il y a un cerf qui est passé par là. Il y a une trace, ça ressemble. J'arrive pas. Ah, c'est une vieille trace. Pas réussi à identifier formellement, mais. Le cerf, peut-être. Eh, c'est le coucher de soleil là tout bientôt là.